Attention, dans cette vidéo, je vous montre une vidéo que j'ai traduite directement en français avec Eleven Labs, une personne aveugle qui se trouve en Angleterre et qui se sert de Be My Eyes. Cette vidéo a été entièrement traduite en français puisque c'est ChatGPT 4o Omni qui va aider cette personne aveugle directement. Donc vous avez compris, ChatGPT 4o va être capable en temps réel de décrire un environnement à une personne aveugle directement à partir de son smartphone, et ça va être génial. Pensez bien partager la vidéo, à vous abonner, et voici la suite de cette vidéo. C'est parti. Le roi est-il présent en ce moment? Oui, on dirait que le roi est présent en ce moment. Le drapeau royal flotte au-dessus du palais de Buckingham, ce qui signifie que le monarque est présent. Quelle excitation d'être là pendant que le roi est chez lui. Essayez de me dire exactement ce qu'ils font en ce moment. Si, je ne suis pas super. Maintenant, les canards glissent doucement sur l'eau. Ils se déplacent de manière assez détendue, sans se presser. De temps en temps, l'un d'eux plonge sa tête sous l'eau, probablement à la recherche de nourriture, puis remonte. Je sais même quand un taxi arrive avec son voyant orange allumé. Je pense que je vais le hailer pour rentrer chez moi. Oui, j'en ai repéré un juste maintenant. Il se dirige vers toi du côté gauche du bâtiment. La route se prépare à lui faire signe. Bon travail. Attends ce taxi. Je dirais que tout est prêt pour toi. Il montre le chemin vers l'imposition. Bon voyage. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui ChatGPT. Vous savez que OpenAI a présenté dernièrement ChatGPT 4o pour Omni. C'est-à-dire que aujourd'hui, ChatGPT est capable d'utiliser les fichiers vidéo ainsi que les fichiers audio. Qu'est-ce qu'on pourra faire aujourd'hui avec ChatGPT 4o? Eh bien, beaucoup de choses. De l'analyse de photos, de la vision, se faire lire des fichiers complexes, les faire résumer et directement par le biais du vocal. Puisque aujourd'hui, ChatGPT 4o est capable directement d'avoir des intonations, est capable d'analyser des visages, est capable de faire énormément de choses. Si vous avez suivi la dernière conférence d'OpenAI, vous savez que ChatGPT 4o va être capable de vous aider visuellement. Puis, lors de cette conférence, on a pu voir que une personne aveugle ou malvoyante utilisait directement Be My Eyes pour se faire expliquer son environnement en temps réel, et on pouvait voir que cette personne aveugle était en train de demander à Be My Eyes via ChatGPT 4o bien s'il y avait un taxi autour d'elle, et si ChatGPT 4o pouvait expliquer l'environnement à cette personne. Attention, on parle bien en temps réel. Alors, est-ce que tu peux, toi, aujourd'hui, utiliser ChatGPT 4o gratuitement sur Windows ou sur Mac? Puisque tu sais aussi que lors de cette conférence, OpenAI a présenté la toute nouvelle version qui va être intégré maintenant, où on pourra télécharger directement sur Windows ainsi que sur Mac pour l'utiliser vocalement. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir faire des captures d'écran, faire analyser cette capture d'écran directement par ChatGPT 4o. Alors bien sûr, tu pourras utiliser l'ancienne version. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces en l'air, de likes. C'est vraiment très important, les amis. Mettez-moi en commentaire si vous êtes des utilisateurs d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, tels que Claude 3 ou tels que Gemini 1.5 de chez Google. Ça m'intéresse vraiment. Et si vous utilisez ces intelligences artificielles, dites-moi comment vous en servez en commentaire. Ça m'intéresse vraiment aussi. Est-ce que vous avez vu sur la chaîne que j'avais présenté une application du nom de PixieBot? PixieBot, c'est une application qui fait de l'analyse de photos en temps réel et qui peut aider une personne aveugle ou malvoyante dans sa vie quotidienne pour analyser son quotidien. Allez, ici, j'ai un Mac. Toi, tu as peut-être un Windows. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT 4o sur l'un de ces systèmes? Et surtout, attention, je te mets tous les liens de téléchargement en description, car oui, tu vas pouvoir faire une installation
en toute autonomie, puisque c'est accessible sans aucun problème via le VoiceOver. Et tu pourras utiliser donc ChatGPT 4o directement avec ton Mac et dans le futur directement avec Windows. Attention, je te montre comment l'installer. Ça va tout de suite se passer sur le Mac. Alors, abonne-toi pour plus d'astuces. C'est parti pour l'installation. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on va installer ChatGPT 4o sur un Mac. Alors pour l'instant, sur Windows, il n'y a pas encore la possibilité d'installer cette application. Mais sur Mac, vous allez voir que c'est ultra impressionnant. Donc on se dirige sur Safari. Safari, page de démarrage. Et vous allez aller coller directement l'adresse URL que vous allez trouver en description. Ça va être en fait l'application ChatGPT 4o Desktop, donc un bureau virtuel. En fait, votre assistant sera directement sur votre bureau, sur votre Mac, et ça c'est ultra génial. Donc vous collez l'adresse, vous faites entrer, et là directement, vous voyez, le chargement a commencé. On peut maintenant installer ChatGPT 4o sur notre Mac, et ça, ça va être énorme. Alors, est-ce que vous pouvez le tester gratuitement? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est oui. Vous allez pouvoir tester directement ChatGPT 4o gratuitement. Pour l'instant, OpenAI n'a pas officialisé le paiement directement de ChatGPT 4o. Vous pouvez d'ailleurs le tester aussi gratuitement sur votre iPhone ou sur votre smartphone, sur Android, sans aucun problème. Si vous avez déjà un compte avec une adresse mail et un mot de passe OpenAI, vous allez pouvoir tester gratuitement ChatGPT 4o, qui est bien plus rapide, bien plus efficace. Il va donc vous répondre à 300 millisecondes, c'est-à-dire aussi vite qu'un être humain. Alors, comment on installe? C'est parti. ChatGPT trait de soulignement desktop, trait de soulignement public, trait de soulignement les tests de... Lorsque vous allez lancer l'installation, vous allez avoir cette fenêtre. Vous faites tout simplement glisser l'application dans le dossier application. Ou sinon, vous lancez directement l'application. ChatGPT, vous êtes actuellement application. Une fois que vous avez intégré l'application ChatGPT 4o dans votre dossier application, on va le lancer et vous allez tomber sur cette fenêtre. Alerte, ChatGPT est une app téléchargée d'Internet. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Alors bien sûr, on va faire ouvrir. Ouvrir. On va donc tomber sur cette fenêtre où vous allez devoir soit vous inscrire, créer un compte ou mettre votre adresse mail et votre mot de passe pour que ChatGPT puisse vous reconnaître. Ici, on installe ça sur un Mac. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4o directement sur votre iPhone, sur iOS, petite astuce, et sur votre Android. Et tout ceci gratuitement, donc profitez-en, c'est vraiment génial. Je vais tout de suite m'identifier et je vous montre comment ça fonctionne. Se connecter. Je m'identifie en allant sur se connecter. Safari, sans titre, navigation privée, fenêtre, continuer avec Google. Alors vous avez différentes possibilités, vous pouvez continuer avec Google. Continuer avec Microsoft Account. Avec Microsoft ou avec Apple. Continuer avec Apple. Je me suis donc directement identifié. ChatGPT. Voilà, on arrive sur cette fenêtre. La grande nouvelle, les amis, c'est que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4o directement avec un raccourci, option espace, tel que vous le faites avec commande espace pour lancer Spotlight. Vous allez lancer ChatGPT avec option espace et vous aurez donc une petite barre de recherche où vous allez pouvoir inscrire tout ce que vous voulez. Je vous montre ça tout de suite. Vous êtes actuellement sur zone de texte. Ici, vous pouvez voir que en faisant option espace, on arrive directement dans une zone d'édition où je pourrais éventuellement demander ce que je veux. Alors, on va lui faire par exemple une demande quelconque ici. Peux-tu me dire quand sortira Android 15? Peux-tu me dire quand sortira Android 15? Collection. Recherche dans 4 sites. Alors, comme vous avez pu vous apercevoir, aussi sur votre iPhone comme sur votre Android, ChatGPT 4o, avec sa mise à jour, maintenant tous les boutons sont correctement étiquetés en français. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ce genre de détails. La sortie d'Android 15 est prévue pour fin septembre ou début octobre 2024. Menu chargé. Basculer vers le mode vocal. Dicter. Basculer vers le mode vocal. Pour basculer sur le mode vocal, vous avez un petit casque audio complètement en bas à droite. Et là, on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut.
tenez-vous bien, vous allez vraiment halluciner. Vous pouvez désormais discuter avec ChatGPT au moyen de la fonction vocale. Donc bien sûr, pour utiliser cette fonction, il faudra donner quelques autorisations pour avoir accès au micro. Choisir une voix. On peut donc choisir une voix si on le désire. Hey there, I've got a really great feeling about us teaming up. Hi there, I just want to share how thrilled I am to work with you and I can't wait to get started. Voix. So what's the game plan? C'est parti pour la discussion. On est donc sur un rectangle où ChatGPT apparaît sous forme de cercle et on peut maintenant lui parler. Il est entièrement capable de vous comprendre en français. C'est super de savoir que vous pouvez interagir avec ChatGPT en français et dans cette configuration visuelle. Si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'assistance sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à demander. Souhaitez-vous explorer ou apprendre aujourd'hui? Salut, est-ce que tu te rappelles de moi? Bonjour. Oui, je me souviens de vous. Mais comment puis-je vous aider aujourd'hui? Peux-tu me dire mon prénom? Votre prénom est Christophe, c'est bien ça? Oui. Te rappelles-tu du nom de la maladie de mes yeux? Oui, je me souviens que vous avez la neuropathie optique héréditaire de Leber. Comment puis-je vous assister à propos de cela aujourd'hui? Alors en fait, je suis un peu triste car ça fait maintenant 23 ans que j'ai perdu la vue. Et pourrais-tu me donner des conseils pour lire le journal? Je comprends que ça peut être difficile, Christophe. Voici quelques conseils pour continuer à profiter de la lecture des journaux. 1. Utilisation d'outils d'accessibilité numérique. De nombreux journaux offrent des versions numériques qui peuvent être lues via des outils d'accessibilité tels que VoiceOver sur iOS ou TalkBack sur Android. Ces applications peuvent lire le texte à haute voix. 2. Journaux en braille. Certains journaux sont disponibles en braille. Vous pouvez vérifier s'il y a des éditions en braille disponibles pour vos journaux préférés ou vous renseigner auprès d'organisations locales pour les personnes malvoyantes. Est-ce que tu connais ma chaîne YouTube et peux-tu demander aux abonnés de s'abonner puisque c'est très important? Oui, je me souviens que votre chaîne YouTube s'appelle Vision Hightech. Vous y partagez des informations sur les outils d'accessibilité pour iOS, Android et d'autres plateformes, en plus de présenter des produits high-tech. C'est formidable de voir comment vous utilisez cette plateforme pour aider et informer les autres. Concernant l'encouragement à s'abonner, voici une suggestion que vous pourriez utiliser dans vos vidéos. Si vous trouvez mes contenus utiles ou intéressants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est très important pour nous et cela nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. Merci beaucoup. Ça vous conviendrait-il pour encourager plus de gens à s'abonner? Franchement, merci, c'est vraiment super cool. Voilà pour cette vidéo. Comment installer ChatGPT 4o Omni? Donc maintenant, il va avoir accès à la vidéo, à l'audio. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas malheureusement. OpenAI diffuse petit à petit cette nouveauté dans les différents pays. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez bien à la partager. Un petit j'aime, ça encourage les amis. Vraiment, ça permet aux vidéos de pouvoir être poussées. Actuellement, on arrive aux 92 000 abonnés. Merci à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine astuce sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous.